apprendre comment réaliser cette jolie petite manique en forme de pomme. Pour la réaliser, j'ai choisi deux couleurs de fil, du blanc et du rouge. Donc c'est un fil qui se crochette en 5, 5,5. Je vais utiliser un crochet numéro 5 pour que ça soit vraiment bien serré. Une paire de ciseaux, un marqueur de rang, une aiguille à laine. On va pouvoir commencer. On va commencer par réaliser un cercle magique. On va venir y faire à l'intérieur 7 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Ensuite, on va venir joindre par une maille coulée. Donc à chaque fin de rang, on va finir par une maille coulée dans la maille suivante et on repart avec une maille en l'air. Donc là, c'était le rang 1. Le rang 2, qu'on démarre par une maille en l'air, on va faire deux mailles dans chaque maille. 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14. À la fin du rang, on aura bien nos 14 mailles. Une. Donc, deux dans la même maille. 3. Et 4. Deux dans la suivante. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Ici, où on a la maille coulée, on saute ça et on va faire une maille coulée directement dans la maille suivante. Ici, vous voyez? Donc une maille coulée. Et pour le tour suivant, on redémarre avec une maille en l'air. Donc vous pouvez placer un petit marqueur si c'est plus facile pour vous. Pour le rang 3, on va faire une maille et deux mailles dans la suivante. Une maille, deux dans la suivante. Et on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Une maille. Et une, deux au même endroit. Une maille serrée et dans la suivante, deux mailles serrées. Une dans la suivante. Deux mailles serrées. Et on va faire ça tout le rang. Donc quand on arrive à la fin de notre rang, on fait bien une maille serrée, deux dans la suivante. Là, on va pouvoir enlever le marqueur et on saute la maille. On va faire une maille coulée dans la suivante. Là, on a fait le rang 3. Pour le rang 4, on continue les augmentations. On va faire maintenant 2 mailles. 2 et 2 dans la suivante. Donc on fait une maille et une augmentation dans la suivante. Et on va faire ça tout le rang. Une fois qu'on arrive à la fin du rang, on retrouve bien nos deux mailles, une, deux, et l'augmentation dans la dernière, trois, et la quatrième au même endroit. Donc on enlève notre marqueur, donc on saute la maille où il y avait le marqueur, on va dans celle d'à côté et on fait une maille coulée. On démarre notre cinquième rang toujours par une maille en l'air.
on place notre marqueur. Et cette fois-ci, on va faire 1, 2, 3 mailles, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. Et on va faire ça tout le rang. 1, 2, 3. Et une augmentation. 1, 2, 3. Et deux dans la suivante. On va répéter ça tout le rang. Qu'on arrive à la fin de notre cinquième rang, on fait bien 1, 2, 3 et l'augmentation dans la dernière maille. On peut enlever notre marqueur. Donc on saute la maille où était le marqueur, celle-ci, et on va dans celle d'à côté toujours pour faire une maille coulée. On redémarre toujours par une maille en l'air et on replace notre marqueur. Là on va démarrer le sixième rang. Donc le rang 6 on augmente toujours, cette fois-ci on va faire 4 mailles serrées et une augmentation. On va faire ça tout le rang. 1, 2, 3, 4 et une augmentation dans la suivante. 1, 2, 3, 4. Et dans la suivante, l'augmentation. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. On finit toujours notre rang comme les rangs précédents. 1, 2, 3, 4 et notre augmentation. Et on va passer au rang numéro 7. Une maille coulée, une maille en l'air. Le rang numéro 7, on continue les augmentations. On va faire 5 mailles serrées et une augmentation. 2, 3, 4. 5 et dans la suivante une augmentation. On va répéter ça tout le rang. On a fini notre septième rang, on va passer au huitième et dernier rang en blanc et après on changera de couleur. Donc pour le rang numéro 8, on fait 6 mailles serrées et une augmentation. Alors 1, 2. On a fini notre septième rang, on va pouvoir passer au rang numéro 8. Donc pour le rang numéro 8, on va faire 6 mailles serrées et une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la huitième maille au même endroit. Donc on va répéter ça tout le rang, 6 mailles serrées et une augmentation. Donc on arrive à la fin du rang numéro 8 et on va mettre notre nouvelle couleur. Donc on pique dans la maille, on va venir faire une maille coulée mais avec le nouveau fil. Voilà. On redémarre avec une maille en l'air et là on va continuer un rang d'augmentation. Donc le rang numéro 9, on va faire 7 mailles et une augmentation. 2, 3, 4,
l'orientation dans la maille suivante. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et une augmentation dans la maille suivante. Et on va répéter ça tout le rang. On a fini le rang numéro 9. Donc là, au total, vous devez avoir 63 mailles serrées. On va faire le 10e rang, ça sera le dernier. Donc on démarre par une maille coulée. Ensuite, on va faire une maille serrée, une demi-bride. La demi-bride, on enroule le fil une fois et on passe à travers les trois en même temps. Ensuite, dans la suivante, on va faire une bride, et dans la même maille, une double bride. Donc au même endroit qu'on a fait la bride, on va faire une double bride. Donc la double bride, on fait deux jetés et on passe le fil trois fois à travers les deux boucles. Ensuite, on va faire dans la maille suivante deux triples brides. Alors la triple bride, on fait trois jetés, on va dans la maille, on passe à travers les deux suivantes, toujours à travers deux mailles. Hein. Voilà, et au même endroit, on va refaire une triple bride. On va faire ça encore dans les deux prochaines mailles, donc 3, une triple bride. Dans la maille suivante, et au même endroit, encore une triple bride. Donc là, il y a déjà deux mailles où on a fait deux triples brides. On va le faire encore une fois. Une triple bride. Et une deuxième au même endroit. On va faire une triple bride dans la maille suivante. Et dans celle d'à côté, on va refaire deux triples brides. On répète ça encore une fois. Donc, dans la maille suivante, une triple bride. Et dans celle d'à côté, deux triples brides. Ensuite, on va faire trois doubles brides. Donc une, deux, doubles brides, trois brides dans les mailles suivantes, une, deux, trois brides, trois demi-brides, une,
2, 3 demi-brides. Et là, on va venir faire 19 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Donc une fois qu'on a fait nos 19 mailles serrées, on va repartir avec 3 demi-brides. 1, 2, 3 demi-brides. Ensuite, 3 brides. 1, 2, 3 brides. Ensuite, on va venir faire 3 doubles brides. 1, 2, 3 doubles brides et 3 triples brides. Une fois qu'on a fini nos 3 triples brides, dans la maille suivante, on va venir faire 2 triples brides. 2 triples brides. Et dans celle d'à côté, une triple bride. On répète ça encore une fois. Dans celle d'à côté, 2 triples brides. Et dans celle d'à côté, une triple bride. Ensuite, on va venir faire 2 triples brides. Dans la maille. On va faire ça 3 fois. Donc, une fois qu'on a fait nos 3 fois 2 triples brides dans une maille, on va faire une double bride dans la maille suivante, une double au même endroit. Une bride dans celle d'à côté, une demi-bride et une maille serrée. Et pour finir, on va venir faire une maille coulée. Ensuite, pour la finition, on va faire une petite attache. Donc là, on refait une maille coulée qu'on a piquée dans la maille du milieu. Et là, on va venir faire 15 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7. Huit, neuf, dix, onze, douze, 13, 14 et 15. Qu'on repique à l'intérieur de la première maille. Donc là où on a fait notre maille coulée, on repique et on va venir faire une maille coulée à travers. Maintenant, on a terminé
notre petite pomme. Il ne nous reste plus qu'à rentrer les fils. La manique pomme est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez me laisser votre commentaire et vous abonner à ma chaîne. À bientôt!